Les pires heures de colle. Numéro 2. Eh bien écoutez, le premier épisode a été un carton, près de 200 000 vues, 12 000 likes. 12 001. Alors là les galifies, je vous le demande, mais va falloir redoubler d'efforts. Mais que dis-je, va falloir retripler d'efforts. J'invoque les pouvoirs divins de la communauté en or. Est-ce qu'on peut tenter les 13 000 likes? Oui, vous avez bien écouté, 13 000 likes. Alors je fais un 5 avec mes doigts, je ne sais pas pourquoi, mais voyez ça comme un 13. Bon, je ne vous cache pas que personnellement, j'ai un doute. Est-ce vraiment le sujet de la vidéo qui vous a plu? Ou est-ce le cul que j'ai collé sur la miniature qui vous a attiré? Et du coup, fais aimer la vidéo. Quand je me gratte le menton comme ça, c'est que je me pose la question. Bon, écoutez, dans le doute, je vais quand même recoller un cul sur la miniature. Il sera peut-être un chouïa plus gros que celui de la dernière fois. On met toutes les chances de notre côté. On ne prend aucun risque. Et bah oui, les mecs, je mets un cul sur ma miniature, vous êtes là. Je mets pas de cul sur la miniature, vous êtes moi là. Beaucoup moi là. Je vais quand même pas coller des rectums sur toutes mes miniatures. Si? Ouais, ça me dérange pas, j'aime bien. Bon, allez, trêve de plaisanterie, j'en profite pour vous dire que cette vidéo est en partenariat avec rectum.com, la nouvelle pommade qui fera de vos petites fesses un rayon de soleil durant tout l'été. Je plaisante, bien entendu, cette vidéo n'est sponsorisée par personne. Je suis sûr que le site rectum.com existe. Ne tapez pas ça, bonté divine, le Seigneur vous regarde. Bon, et bien écoutez, 1117 commentaires. Alors, on va pas pouvoir tous les lire, ça c'est certain. Par contre, on va aller dans les top commentaires. Et je suis sûr qu'on va trouver des pépites. Mais bien sûr, toujours, je le répète, n'oubliez pas d'aller faire vos promotions pour vos jeux vidéo sur G2A. Le petit lien est dans la description. Le nombre d'heures de colle de Jolat, MDR, clique en dessous. Alors là, mon gars, je vais te dire, mais t'es très loin de la vérité. J'en ai eu au moins 642 mois. Non, sans déconner. Qui, à la fin de l'année, va faire un grand barbecue, cahier, classeur, feuille, plein d'autres choses? Non, mais vous en avez pas marre, les mecs, d'écrire des choses comme ça. Je vous avais demandé de m'écrire vos heures de colle. Pas ce que vous allez faire de vos cahiers. N'empêche que bon, ça reste entre nous, mais. Je vous donne un petit secret. Vous prenez vos cours de maths. Notamment, vous arrachez la page du théorème de Pythagore et celle de Thalès. Vous chiffonnez bien les deux ensemble. Vous faites revenir vos chipolatas avec ça. Ça donne un petit goût à vos saucisses aux herbes. Fumez, mais comme Jaja. Ah, et bien voilà, Zero Dog qui a eu une heure de colle car il a dit bonjour à un pigeon. Histoire vraie, entre parenthèses, au cas où on le croirait pas. Ça va, Zero Dog, on te croit, on te croit. Tu sais, moi c'est pareil, hein, une fois j'ai eu 3 heures de colle parce que j'ai joué à la marelle avec un écureuil. Pour la petite anecdote, c'est l'écureuil qui a gagné. Guillaume Hubert, j'ai pas pu faire mon exercice, j'ai dit Avast me bloquer le manuel numérique. Et ça a marché. Je précise, j'ai réellement pas pu. Par contre, les mecs, arrêtez avec vos parenthèses, on vous croit. Tu sais, une fois, moi j'ai bien séché une heure de cours et à la place, j'ai voulu faire une expérience. Tu vois, j'étais me baigner en pleine mer. No troll, j'ai été engagé comme vous pouvez le voir par les sauveteurs en mer pour une journée. Voilà, ils m'ont passé un petit gilet de sauvetage, un gilet. Tout le monde connaît bien sûr mon niveau extrême en natation. J'avais pris 2 steaks sur moi et j'ai attiré 2 requins. Donc j'étais en pleine mer, il y avait 2 requins autour de moi. Et j'ai collé 1 steak sur chacune des narines des requins. Je les ai agrippés les ailerons comme ça mon gars. Et puis j'ai fait un petit peu de surf avec. Et puis bon, finalement, bah y a un élève qui m'a balancé. Voilà, il a dit qu'il m'avait vu en pleine mer avec des requins et tout. Bref, j'avais pris 2 heures de colle. Ça arrive, hein. Personnellement, j'ai été collé 2 heures parce que j'ai mis ma veste sur le dossier de ma chaise. Et bah, fallait mettre ta veste ailleurs, Echo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être sur le dossier de la chaise du professeur. Fallait venir sans veste. Faut pas trop faire chier les profs, surtout en fin d'année. C'est là qu'ils sont un petit peu sur les nerfs. Ah, celui-là, il est magnifique. Une observation pour avoir mangé une feuille A4. C'était bon au moins. Non, je sais pas, raconte-nous un petit peu, dis-nous dans les commentaires. Le nombre de conneries de Jolat. Ah bah là, mon gars, tu peux en rajouter. Hein. Scotch des gendarmes en étude. Et je peux même vous envoyer la photo du mot. Il y a quand même quelqu'un dans les commentaires qui a dit, vas-y, envoie, s'il te plaît. Bon, très bien. Écoute, on l'attend, la preuve. Tu me l'envoies par mail. Je veux la photo de ce mot. On fera une vidéo spéciale dédiée sur ce mot. On le décryptera et tout. Non, ça peut être intéressant. Bébert qui nous dit, la miniature déjà me fait sourire. Alors la vidéo, je sais pas ce que c'est. Je suis toujours intrigué par les réponses. Bah putain, elle te fait sourire la miniature. Ah là mon pote, je peux te dire que t'es pas prêt. La prochaine, elle va te faire sourire, mais durant tout le mois d'août. Et jusqu'aux oreilles. J'ai eu une heure de colle parce que j'avais mon tel dans ma sacoche. Et elle m'a dit, il faut le mettre dans ton sac. Mais c'est un sac. Oui, effectivement, la sacoche est un sac. Mais tu peux mettre ta sacoche dans un sac. Et le sac dans une valise. Et la valise dans une plus grande valise. Je suis parti sur une explication de la vie là, mais... Xantori Légende qui nous dit « Je me suis fait coller pour avoir jeté de l'eau dans le dos d'un surveillant. Si vous voulez une preuve, rajoutez-moi sur Discord. » Non, je veux dire, je peux pas m'en arrêter là. Il me faut cette preuve. Bon, eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à attendre... qui répondent. Dex312, moi je me suis pris 3 heures de colle car j'ai regardé Pokémon en techno. Oui, en même temps, Pokémon, techno, Pokémon. C'est un petit peu comme si tu regardais la petite maison dans la prairie pendant un cours de maths. Ça n'a strictement rien à voir. Même si Charlie Ingalls savait compter jusqu'à 2. C'était le nombre d'euros qu'il avait sur son compte. Non, je rigole, mais c'est triste la petite maison de la prairie. Vous savez, j'ai regardé toutes les saisons, moi, toutes les saisons et toutes les années. Il repasse toutes les saisons en boucle, et ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, mon gars. Eh ouais, il en manquait de l'argent pour acheter des petites chaussures à Salora Ingalls. C'était Almonzo qui avait du souci à se faire. Les vrais seront qui sait. Je
rigole tout seul, mon gars. Faut que j'arrête, moi, ça devient grave. Moi, j'ai une heure de colle pour 1. Imite l'oiseau en cours. 2. Essaye de manger son camarade. 3. S'enferme avec 4 de ses camarades masculins dans les toilettes. Mais pour essayer de manger son camarade, c'est-à-dire que je lui mordais le bras et je l'insultais de burger. MDR. Ah oui, oui, je sais. Je suis un fou. PTDR. Effectivement, tu es un fou. Oui, c'est vrai. 3 heures de colle pour m'avoir rasé les poils pubiens en science. Like si t'as des potes comme ça. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a déjà 45 personnes qui ont un pote qui se sont déjà rasés les poils pubiens en science. Et on a Stéphane Nicoli qui répond en dessous sans pression. Bah moi, c'est pas des potes, c'est moi. Ok, d'accord. Très bien, Stéphane. Tiens, je te mets un like. 3 heures de colle pour balance des projectiles en direction de son camarade en criant l'inadmissible insulte. Fils de pur! Voilà, il l'a cherché! Je suis mort avec ces conneries. Heure de colle pour avoir demandé une meuf en couple en cours de SVT. Tout ça pour se prendre un râteau. Eh bah t'aurais dû lui demander en cours de musique. Au moins t'aurais pu lui chanter ton amour. Qu'est-ce que je suis poète des fois. Fais une pyramide de stylos et crayons de couleur sur la table. Bro, elle était gigantesque. J'aime bien parce que tu sais, il précise quand même sous son commentaire. Elle était gigantesque ou quoi. Moi j'ai cassé mon compas sur un pote en cours. On jouait le premier qui a mal perd. Oui, c'est con, 5 heures de colle, que des bons souvenirs. Ouais, quand je regarde mon bras et que je vois les trous, j'y pense encore. J'en rigole. Non mais c'est arrivé quoi. Que des bons souvenirs. Une heure de colle car j'ai mis mes jambes en tailleur. Voilà, voilà. Non, là honnêtement c'est tu vois, j'ai presque envie de dire que c'est le plus impressionnant de la vidéo quoi. L'année dernière j'étais en 5ème et je me suis pris une heure de colle car j'ai pété au CDI. MDR. Et ça te fait rire. Normal. Putain, pourquoi je rigole à ça, moi? Et bah, moi, j'ai planté mon compas dans le cul de mon pote et j'ai rien eu. Et t'es fier. Il en est fier, normal, quoi. Ouais, pourquoi pas. J'ai été viré du cours d'espagnol parce que mon camarade a pété en disant juste avant « Attention à l'orage, on est 3 à avoir pris. » C'était génial. Super, Rolti, je te mets un like. J'ai eu une tige parce que j'ai pris 2 fromages sur mon plateau à la cantine. Mais en même temps, Lourec, mais c'est un scandale. Écoute, personne t'en veut, je faisais pareil quand j'étais à la cantine au collège. Je m'en souviens, je regardais à droite, à gauche. J'en mettais toujours un ou deux dans ma poche comme ça, là, mon gars. Les brigands, quoi. Tout ça pour un vieux chaussé au moine enroulé dans du papier. Ah putain, prendre des heures de colle pour un bout de fromage, je vous jure. Je me suis jamais fait choper, jamais. Je l'ai mangé comme ça, discrètement, sous mon t-shirt. Ça sentait de chaussée au moine quand je faisais ça. C'est une connerie. Ah putain. J'ai eu 4 heures de colle car je suis venu en gilet jaune en cours et j'ai bloqué ma prof d'espagnol. Et toujours, ce petit histoire vraie entre parenthèses qui revient. On vous croit les mecs. J'ai cliqué pourquoi moi? L'énorme cul en miniature peut-être. Et encore mon pote, t'es pas prêt pour la prochaine, il va être tellement fat quoi, ça va être un truc doux. Tu vas revenir cliquer. Obligé. Ça va tellement te taper dans l'œil, tu vois. Et je le ferai en jaune fluo, certainement un peu flashy, tu vois. Je mettrai des petits reliefs et tout. T'inquiète. J'ai insulté la principale de mon collège de cochon sans queue. Ah ouais, mon pote, mais voilà l'insulte du siècle, quoi. J'ai ma petite copine. Excusez-moi, je suis pas un bruit comme ça. J'ai ma petite copine qui a une heure de colle pour avoir dessiné des poireaux. Est-ce qu'elle a dessiné les aubergines à faire? Je suis un gamin, excusez-moi. Tu mets un like, Lévili. j'arrête. J'ai fait l'amour avec ma prof et j'ai eu 5 heures de colle. Mais je l'ai baisé après chez moi. Ah mais ça, c'est des trucs qui arrivent. Moi, tu sais, une fois, j'étais collé 4 heures. Je m'en souviens, c'était ce fameux après-midi. J'avais un cours de dessin. Et c'est vrai que j'avais une base militaire à côté de mon lycée et j'avais vu un avion de chasse, tu vois, dans la base militaire. Il y avait les clés dessus. Je fais quoi, moi? Je rentre, je me faufile doucement dans l'avion de chasse, je le prends, je décolle comme ça, j'en avais jamais conduit. Hein. Histoire vraie, hein, entre parenthèses. Et je fais 3 loopings comme ça au-dessus de mon collège, tu vois. Et je reviens me déposer tout doucement à la base, tu vois. Mais bon, il y avait un pote, il m'avait vu faire des loopings au-dessus du collège, il m'a balancé à l'improviseur, 4 heures de colle, quoi. 4 heures. Tout ça pour ça. Courage à toi. J'ai eu une heure de colle pour avoir dit bonjour à la prof. Et bah fallait y dire au revoir. Un pote à moi a une heure de colle car il a dit désolé pour le retard. J'ai dû passer par la centrale nucléaire pour sauter ta mère. Je vous ai raconté ce qui s'est passé après que j'ai posé l'avion de chasse dans la base militaire. Parce qu'en fait, attendez, c'est que je suis sorti. Il n'y avait pas un lance-roquette dans la soute, mon gars. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Bah j'ai voulu lancer une roquette avec, tu vois, comme ça pour tester. Et je la lance en l'air.
La roquette, elle fait pas 3 loopings au-dessus du bureau du proviseur. J'ai cru qu'elle allait le toucher comme ça, puis d'un coup, elle est remontée. Elle est partie, mais loin dans les airs. Personne ne sait où elle a atterri. En tout cas, je vous jure. Histoire vraie. Un truc de fou ton pote, c'est un malade mon gars. Mais pas plus que moi. Bon et eh bien écoutez, on va s'arrêter là parce qu'il y a encore plein de commentaires. Il y en a plus de 1000, c'est un truc de ouf. Donc n'hésitez pas à me laisser encore une fois vos expériences sous cette vidéo. Et si on atteint les 13 000 likes, oui j'ai bien dit 13, on refera un épisode 3. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la petite clochette gling 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 pour recevoir les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Eh bien écoutez, moi je vous laisse avec cette vidéo. Vous pouvez aller la voir, franchement elle est très bien. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous. Vous pouvez également venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne qui est dans la description. Je vous dis à très vite et ciao tout le monde, bye bye.